Bonjour les amis et bienvenue dans les balades de Tonton Funky. Aujourd'hui, je vous fais visiter le parc de Ranana, qui est pas très loin de Herzliya, en Israël. Et donc c'est passé au nord de Tel Aviv, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas. Et c'est génial pour les enfants, c'est un très très beau parc. Alors là, ici, on a tout un tas d'espèces de ponts suspendus. Ça fait un quart de cercle, c'est très beau. Au milieu, il y a une petite place pour faire du skateboard pour les enfants et du roller. Et au fond, là, ce que vous voyez, c'est pour faire du sport pour les adultes. Il y en a partout dans tous les parcs en Israël. Et vous avez aussi des balançoires pour les petits-enfants. Voilà la suite. Des toboggans. Toboggan bleu que vous voyez là. Alors le parc est très grand hein, parce qu'il y a aussi un zoo à côté, donc pour les enfants. Encore les pans suspendus. Et les enfants vont pouvoir faire tout le tour, s'amuser. D'ailleurs, je ne sais pas où sont mes enfants. Ne me demandez pas. Je crois que je les ai perdus. Voilà, on continue le tour. Je crois que j'entends mes enfants quelque part. Donc c'est bon. Ils vont bien. Alors un petit terrain pour faire de la pétanque, bien que personne ne fasse de la pétanque en Israël, mais bon, ça peut toujours servir. On continue la visite avec donc la salle de sport. Alors pour l'instant, donc il n'y a que des enfants qui jouent, mais le soir, après le travail, c'est rempli d'adultes. Voilà. Donc là on est encore dans les heures chaudes. Il y a tout un tas de trucs pour faire du sport. Notamment ces trucs-là, donc c'est un peu comme pour s'entraîner au ski. Voilà. Les amis, j'ai la perruche. Regardez, une perruche, une vraie perruche, en liberté, en train de bouffer des dattes. Voilà. Ça, c'est les plaisirs d'Israël. Entièrement en liberté. Israël, c'est le pays de la perruche. Il y en a énormément. Et voilà, un super jeu. Une espèce de petit labyrinthe pour les enfants. Pour jouer à cache-cache. Très très bonne idée. Les amis, on se trouve ici dans un parc botanique, toujours dans le parc de Ranana, une partie avec un parc botanique, ça sent super bon, il y a des fruits et toutes sortes de plantes et les odeurs, ça sent super bon. Voilà, je vous fais découvrir ça. Si vous avez l'occasion d'aller en Israël, allez au parc de Ranana et faites vraiment le tour de tout le parc. C'est vraiment génial. Et là, vous avez des fruits. Vous avez ici, c'est comme une espèce de citronnelle.
Ça sent le citron. Ça, vous le faites infuser, ces trucs-là. Vous les faites infuser dans... Ça donne un petit goût de citron. Vous avez tout un tas de trucs. C'est vraiment magnifique. Ça sent, là. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon ici. Impossible de vous dire ce que c'est, mais ça sent très bon. On a l'impression d'être au palais de l'infusion. Sentez les odeurs. Vous sentez les odeurs là. Tout sent ici. Et ça, c'est ma plante préférée. De l'eau. Bonne odeur de citron. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé dans les balades de Topo Froki. Je vous propose de retrouver toutes les vidéos sur le site YouTube. Vous cherchez les balades de Topo Froki. Et en plus donc des visites d'Israël, un petit peu comme ça, les petits parcs, tout ça, vous avez pas mal de choses sur la défense d'Israël, sur le sionisme, sur tous les statuts, l'UNESCO, tout ce qu'on peut trouver, tous les mensonges qu'on peut trouver sur internet, débunkés et réinformés. À très bientôt les amis, bye bye, n'hésitez pas à vous abonner.